bonsoir. Même si c'est une promesse qui fait depuis l'année passée, en 2022, on a respecté quand même. Il n'y a pas trop tard. Son promesse qui est à gagner, non? C'est pas vrai. Son promesse qui fait la fin année 2021. De Dinon, dans reste Côte de Port d'Equité, par exemple, défend premier Côte de Port. Ma fait qu'il y a barbecue avec vous. Ça peut être là, il est accessible à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas obligé de gagner un gros réchaud barbecue, un espace pour faire le dehors, etc. Et on dit qu'il y a un appartement où il était, etc. Bon, eh bien, je vais vous montrer comment on a fait. Il y a un barbecue, côte de porc, pendant que vous êtes dans la caillou, on prend avec four gagner ou bien air fryer gagner. Ok? Air fryer, je vais utiliser là, mettez bien. Dans la description, en bas de la vidéo, si quelqu'un qui t'a aimé, commandez parce que les frères, vraiment, la changé la vie, ou la vie, manger bien l'autre gens. Et bien, même si dans les frères, je fais, mais on fait dans le four à tout. Surtout si on est un four à convection. Bon, bref. Et bien, je dis, on va le faire, respecter la promesse des frères nous, pour un côte de porc barbecue. Ok? Nous allons démystifier le moment où on pour les gens. Tout le monde qui a fait, j'en dis ça. Chaîne ça, c'est mission, c'est le travail ça de faire. Démystifier tout le groupe là, tout le groupe, les gros noms, etc. Et puis, ouais, même vous qui êtes des amateurs en cuisine ou bien qui débutez que maintenant, vous allez pouvoir réaliser ces plats qui, de réputation, paraît difficile. Salutations et remerciements aux membres de la chaîne. Merci pour votre support. Depuis 2012, nous là. Non, c'est pas vrai. Depuis 2020, nous avons supporté la chaîne. Eh bien, merci pour le support. Bon, merci parce que nous continuons à supporter. Eh bien, ou même si vous voulez venir supporter la chaîne, si vous voulez venir même la chaîne pour nous parler. Même là, avec nous, nous sommes là. Eh bien, cliquez sur le bouton de join qui est en bas de la vidéo. Ça, ou bien en bas, n'importe quelle vidéo qui est sur la chaîne. Et puis, choisir un plan de support. Ou bien, ou qu'à venir même tout, nous avons une contribution là par PayPal dans gaspardorivien@gmail.com. Merci pour les grands supporters qui utilisent PayPal. Eh bien, nous allons présenter les ingrédients tout simples, mise en place tout simple. On a besoin pour nous faire place à qui est un gros nom. A tout de suite. Allez. Mais mise en place pour nous réaliser côte de porc barbecue sans réchaud barbecue. Tout d'abord, on a besoin de côte de porc. Là, c'est reste côte de porc, première recette de faire, de conserver dans le freezer. Comprenez? Alors, pour assaisonner côte de porc loin, nous avons un mélange d'ensemble d'épices que je fais déjà sous chaîne. Là, moi gagne cannelle, moi gagne poivre, moi gagne sel, moi gagne curry, moi gagne curcuma. Moi gagne origan, moi gagne cilantro, moi gagne oignon et puis l'ail en poudre. Donc tout ça on mélange ensemble. Donc toujours qu'à ajouter toujours. Et si gagne me dit là ou pas gagne, c'est pas grave. On va toujours remplacer par l'autre épice qui font plaisir ou bien épice ou gagne. Là me gagne 4 qui est Worcestershire sauce qui c'est sauce anglaise. Gagne un petit qui est purée de piment là, moi faire recette ça déjà sur chaîne là. Ok, là moi gagne yon qui est moutarde de Dijon, là moi gagne yon qui est beurre, là moi gagne 3 qui est sauce tomate pizza, mais on café là avec ketchup tout, un ketchup que vous même vous fait, ok, et montrer sur chaîne déjà comment on a réalisé ni sauce pizza, ni ketchup, ni sauce tomate, ni pâte tomate tout. On a besoin de sauce teriyaki. Mais dit optionnel, soit on a toujours pas mis l'ensemble de faire. Là, j'ai l'huile de sésame,
Mais si vous avez l'huile de sésame, on peut toujours utiliser l'huile d'olive. C'est une question de choix, de feeling. On prend l'huile de sésame là. On a besoin de papier aluminium. On a besoin de sirop miel. Ok? Bon, alors, si vous avez l'autre bagage là, l'exécution recette là, je vais montrer nos lits, on a utilisé. Voilà, c'est une mise en place tout simple ça. Voilà, c'est une mise en place tout simple ça. Nous allons utiliser pour exécuter côte de porc barbecue sans réchaud barbecue. Là, même la dernière fois, nous avons un premier travail pour faire la donne qui c'est retirer membrane qui surtout à l'intérieur, c'est du côté zoo paraît là. Ok, là, on a retiré membrane ça et puis après, reste à tout simple. Alors, allez, on va enlever la membrane bien vlain. Ok, nous ouais, mais membrane là, on va pas les vlain, on va pas les assez ça, c'est tout ça, nous ouais. Qui couvre zoa là ça faut le retirer. Pour qui ça faut le retirer? Parce que premièrement c'est vlin lié, deuxièmement la pas pêcher épice entrer en dedans en cotoua en dedans pièce viande noir, la pas pêcher épice là entrer pour y al bay toute pièce viande noir bon goût. Donc premièrement c'est un truc inutile et puis t'as saisi ouais celle-là ou bien pile épice nous mettez ou pas rentrer en dedans et vient de moi et bien on a retiré ouais depuis nous faisons un côté nous font raison nous bien nous font un couteau nous décoller et puis et bien reste là sorti bien facilement j'aime qu'à constater là ouais. Ok, eh bien, depuis que fin retiré, mon brin ça, vlin ça à la donne, eh bien, pièce vient nous en parer pour nous passer dans la prochaine étape là. Ok, eh bien, prochaine étape là, simple. Ok, eh bien, prochaine étape là, ça y est, nous allons préparer une espèce de sauce. Ok, là c'est une sauce anglaise là. Ok, là prend. Ok, yon qui est et demi la donne. Ok, n'a prend yon qui est teriyaki, sauce teriyaki. Alors, si nous te gagne soy sauce, nous devons mettre soy sauce tout. Même malheureusement, barre côté bouteille soy sauce, m'en fait. Même si yon te gagne, ben n'a fait le sali. Mais ou même si yon soy sauce, mettez le. Ok, là, ou ka mette un petit l'huile d'olive. On va mettre l'huile sésame. Ok. Et puis, je mélange. Ok. Ok. Le mélange est fini fait. Ça me va le faire. Et bien, c'est pour juste ça que je vais faire là. Et puis, bas dijonner pièce de viande avec. Alors, ça c'est une méthode qui est simple. Ok, pour nous préparer côte de porc là. Sinon, si nous voulons, nous devons bouillir. Bouillir non bouillon. Bouillon que nous mettons bonne épices, aromates pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure de temps. Ok, nous mettons plein d'épices là-dedans. Bouillon sur te kamite ou te kamite zonyon ou mette coriandre ou mette thym ou mette persil. Comprenez? Ok, bon ça l'a fini. Bah c'est tout sous côté autour. On a changé le bord. Voilà, on a besoin. Ok, oui, alors, ou te kamite le bouilli, j'aime dire là.
entre 45 minutes jusqu'à 60 minutes. Et puis après ça, on fait deuxième opération que on va le faire en deuxième lieu ça. Ou bien vous procédez à méthode ça fait là qui les mêmes qui c'est qui peut-être peut prendre un petit casse plus de temps parce que ça va le faire on va mettre le cuit dans four là pour pipiti 60 minutes. Et 40 60 jusqu'à 90 minutes, ça veut dire une heure et demie. OK. Ouais, on fait une badigeonne avec mélange l'huile sauce anglaise là avec sauce teriyaki ya. J'aime dire non, si on dégaine sauce soja, tu as mis sauce soja tout. OK. Maintenant ça me fait là, c'est une préparation pour viennent pour assaisonnement ba mettre sous lit. OK. Avant de faire ça, avant assaisonner là, on prend papier aluminium. OK, c'est sous papier aluminium ça. Bon, allez. OK. Et puis maintenant, on prend épices, on mélange d'épices ça. Son j'aime te dire, c'est un ensemble d'épices en poudre qui gagne là dans les oignons, l'ail, poivre, origan, cilantro, paprika, cannelle, on prend en poudre. Donc j'aime dire là, ça c'est un bail freestyle, ça veut dire c'est soit gagner ou qu'à mettre moins ou qu'à mettre plus que ça nous donne ajouter là. OK. Et ben ça n'a fait c'est étendre toute épices ça sur toute corps pièce jaune noir. Ben fin fait bon ça, n'a prend l'autre boîte. OK. N'a mettre généreusement, pas besoin crain de mettre. OK. Ben fin vide le soulier qu'on en a badigeonné la veille. Alors, on va mettre un peu de province tout dans mélange des pistes à eux. Alors, entre temps, moi, l'humain fou moi, ou bien un frère moi, l'a chauffé pendant ce temps. Et là, mettez le chauffer là à plus de 350 degrés. Ça bien chaud. Mais les bois, mettez. Je viens là dedans, je vais quitter la 180 degrés, je vais baisser. Je vais quitter la 350 degrés, je vais descendre à 180 degrés justement. OK, et bien je vais virer. On fait même bagarre dans l'autre bois. Je vais me dire là c'est une méthode. Une méthode qui est plus simple à utiliser. Plusieurs façons de café. Mais méthode ça tout à bail yon côte de porc très goûteux. Il va voir ce qu'il dit simple qui fait il est pas bon. OK. Sauf qu'il n'est pas assez sous l'IA avant permettre et puis ça puis bien adhérer encore à viande. OK. Eh bien, le travail a fini là. Eh bien, pendant le travail a fini là, ça nous va le faire. Nous pourrons fermer viennent en dedans papier aluminium. OK? Bien sûr, il va finir fermé. Mais après, c'est remettre le papier aluminium. On voit ça encore. Bien enveloppé. Et
OK. Maintenant plateau n'est gagné. On va juste mettre le chou dans le plateau là. Et puis nous allons mettre dans air fryer là pour plus petit une heure temps, mais c'est entre 1h30 et 2h la prend pour travailler la bien faite pour que côte de porc noir bien cuite. Et après ça, n'a pas sorti pour la fond deuxième phase. Première phase à la j'aime dit noir, c'est entre 1h30 et 2h pour plus petit 1h. OK? À partir de 1h, on a vérifié, il faut commencer à vérifier. Mais pour pipiti, c'est 1h30 vraiment bon temps à 180 degrés. Songez de préchauffer la 350 degrés là, il gagne à peu près 5 minutes depuis la chauffer là. On attend d'arriver jusqu'à 10 minutes pour la mettre dans le four. OK. Four noir, il y a à peu près 10 minutes depuis la chaud là à 350 degrés là. Et ben on met des pièces blanches là-dedans. J'aime te dire, on va mettre à 180 degrés. Ouais, bim, là. Et puis, on va quitter, travailler sa fête là. Entre 1h30 à 2h. Mais dans une heure encore, on va tourner venir vérifier. À tout à l'heure. Vérifier vient de loin déjà, vous comprenez? Qui sont vraiment avancés pour ne pas dire qu'il paraît parce qu'il y a plus, qu'une heure et demie là. Vous comprenez? Bon, eh bien, pendant la dernière minute après couler, nous allons préparer la sauce barbecue. Nous mettons un petit chaudier chaud, nous mettons là-dedans un petit beurre. Si nous mettons des cafés sans beurre, vous comprenez? Beurre obligatoire. Vite bien à fin fond, on va ajouter sauce tomate pizza de bien. Hein? Je me dis là, on va faire avec ketchup. Ok? Good. Alors, le beurre à m'utiliser à son beurre cuisine, ça fait une nouvelle bête comme ça. C'est bon genre de beurre cuisine là. Ben je me semble avec belle vidéo. OK. Eh bien, nous pas perdre du temps non. Tout de suite on va ajouter qui est moutarde épicéa, c'est du moutarde de Dijon noir. OK, je vous conseille nous utiliser de préférer ce moutarde de Dijon au lieu de moutarde jaune nous on est. On va mélanger le tout. Je vais ajouter la sauce anglaise noire. On va ajouter elle. On va ajouter l'équivalent. Alors, ça, c'est moi qui ajoute, niveau obligatoire. Sauce teriyaki, on va ajouter. Équivalent yon qui est. Si nous avons sauce soja, nous avons des sauce soja. OK. Eh bien, tout de suite, nous avons équivalent qui est sirop miel. Si nous avons sirop miel, nous avons toujours mis sucre rouge. Si vous voyez là, à balle qui bon goût toujours. Je viens de gagner un petit qui est piment, purée de piment. Vous mettez là-dedans, mais ça va lui à toi, c'est sur manger piment. Ok, là nous allons gagner un petit goût acide, nous allons un petit goût sel, sucre. Ok.
mélanger le tout. Et puis, nous mettons équivalent yon qui est épices nous t'ai épices nous t'ai assaisonné de viande noire. OK? Voilà, on mélange le tout. OK, on goûte pour nous faire. Délicieux. Eh bien, sauce barbecue nous est appareillé. OK? Eh bien, nous allons sous l'oubli vers nous, nous allons sous dans un air fryer. OK. Là, nous sommes retirés là. Comprendre? Côte de pomme maintenant. Air fryer. Qu'on y a là, on a découvert. Voilà ce que ça donne. OK? Ben, on pile jus. N'est-ce pas beau, hein? Hein? Dis non. Et petit mousseau, vous t'es coupé, hein? Vous t'es sauvé, hein? On va le goûter le mois sale bail. Mmh. 1970. Mmh. 1970. Bon bagay. Eh mais ok? Vous n'avez pas fait pour c'est sauce barbecue de faire. Eh bien, on prend sauce barbecue là, avec un pinceau et puis on peut passer sous viande noire. On va passer tous les deux bords. Avant de virer le bord pour mettre sauce barbecue là, on va récupérer jus cuisson litre là. OK, on va utiliser comme fumée pour l'autre plat, on va faire sauce avec etc. OK. Maintenant, on va le virer via viande noire. Et dans le bas ça tout. On va le passer sauce barbecue noire. Voilà. On a tout quitté le sous-bois ça. OK, on va besoin couvrir encore avec le papier aluminium là. Nous prenons le remettre dans air fryer. OK, à même degré d'étalé là. OK, pour 15 minutes encore. 15 minutes dans bois ça. Après 15 minutes, on a sorti, on va le faire encore. OK, pour 15 minutes, on va le mettre dans le four là pour nous. OK, 15 minutes passées là déjà. Eh ben, on a retiré. J'en t'ai annoncé là. Waouh. Que c'est beau. Hein, viens nous en fois là. Eh ben, on va faire l'autre travail encore. Eh ben, travail ça consistait à justement virer. OK. Pièce viande noire. Et puis maintenant passer encore sauce barbecue maison fait maison noire. Celui c'est bouton les à la soupe bec. Maintenant c'est en bas partie genzo là quoi le bec. OK, pour 15 minutes encore. OK, après deuxième 15 minutes ça. Eh bien, pas prêter grand chose pour nous faire non encore. Restez branché pour la suite. OK? Eh bien, tout ça retourne dans le four pour encore 15 minutes.
OK, un four qui chauffe à 180 degrés. Résultat, après les 15 dernières minutes passées dans le four, bon, eh bien, Kounian Kadi, Côte de Ponoa, Paris. Maintenant, on va passer à la présentation. Mais tout d'abord, ça nous va le faire, nous va le découper. Ok? Découper, j'en ai découpé la dernière fois entre chaque os. Ok? Voilà. Et puis, that's all. Ok? Mais Jean-Noël là, pas grand qu'un mystère. Jean-Noël a constaté là, pas grand qu'un mystère, pas grand qu'un difficile d'en faire une côte de porc qui est très bon. Tout le monde apprend. Et puis voilà. Ok? Mais passons maintenant à la présentation. Travers de porc, si vous voulez, ok, qui fait sous forme barbecue, ok, nous t'ai fait déjà là avant, et bien, qu'on y a là, nous foulis sous forme barbecue, donc sans pas obligé qu'il y ait un gros réchaud barbecue, la cour, etc., côté bois le fait, en dans la caillou étant, avec four là, au café, si vous suivez tout étape, si vous mettez même ingrédients avec moi, ou à péjoindre une côte de porc super intéressant. Même coupé comme yo très beau. Et si chaque coupe de porc ça est deux gouttes. Alors on va couper dans mettant deux os. On couper mettez deux os dans chaque tranche comme là. Ça fait pas être gros comme ça. Mais c'est pas grave de toute façon. On va se régaler. Malheureusement goûteuse à Bagavine goûter Kounia là. Des grands petits malaises. Eh ben c'est moi seulement qui prend. Ben nous on prend ça. Travail, ce que fait là, bail comme résultat. Ok? On a en même temps des côtes qui sont assez juteux. Vous comprenez? Il va très bon avec un goût en sauce là, sauce barbecue plus épices nous dégainer, qu'on peut mélanger ensemble. Il va un goût super intéressant. Il y a un petit bout piqué là parce que je mettais piment carré, je me disais ça. Et puis en plus, je mettais purée de piment dans la sauce barbecue maison de fer. Et puis ça vient en train dedans. Chair là, très tendre, très bon. Et puis, dehors même, c'est pas parlé. Donc, je suis très satisfait du résultat. Tout le monde qui aime bien le cochon est content de manger côte ça au travers de porc ça. Je vous souhaite bon travail, bon succès. Et puis j'attends les commentaires, les feedbacks en dessous de la vidéo. À bientôt pour une autre recette.